Bon geek à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, c'était la dernière fois, c'était la dernière vidéo tournée dans la pièce, puisque maintenant en déménagement, je suis toujours pas parti, je suis toujours là, je vous montre un petit peu là où je suis, où vous m'avez vu pendant plus d'un an, à Nice. Alors j'espère qu'on verra. Je vais vous présenter un peu tout le monde, vous allez voir. Hop, voilà. Voilà ce que je vois de la maison. Vous voyez un petit bout de la maison. Là, c'est la mer. Ouais, ça va me manquer. Donc vous voyez Nice, hop, ici. Je crois que si vous voyez, il y a un avion qui décolle par là, je crois. Vous avez dû voir, je sais pas, mais voilà. Là, c'est l'aéroport de Nice, Côte d'Azur. Ici, vous avez Nice, et moi, je suis donc au-dessus de Nice. Alors, je vous présente mes animaux. Itch, viens là, viens. Viens, bonhomme. Voilà. Là, regarde là. Tu dis bonjour? Non, je dis pas. Et là, c'est Lulu. Lulu, petit haïtien. Voilà, c'est un chien qui vient de Tahiti. Donc, ça pour vous dire que cette dernière vidéo que je vais faire sur Nice, je vais vous présenter donc 2-3 bricoles qui sont un cadeau de départ de mon meilleur ami pour mon anniversaire aussi, puisque je viens de faire 40 ans. Donc, il m'a offert quand même pas mal de choses sympas. Attention, 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 il y a une route. Donc, alors ouais, niveau extérieur, c'est pas mal, mais niveau soleil, c'est un peu compliqué de filmer correctement. Bref, on va pas tergiverser 2 heures. Alors, déjà, un achat rapide et simple à Emmaüs. Vous allez voir, hop, un Trivial Poursuite version humour. Vous savez que les Trivial Poursuite, c'est ma passion, hein, un peu comme les Dalettes. Non, mais voilà, la petite collection qui s'agrandit et... Bon, je vais vous montrer rapidement un contenu du sac, si j'arrive à trouver comment mon téléphone marche. S'il te plaît, le téléphone. Non, je peux pas te changer de sens. Super, merci beaucoup. Donc, hop, désolé, mais voilà. Un gros lot de Mickey Parade. Je sais pas si vous l'avez vu, parce que je ne comprends pas comment mon téléphone marche. Allô, s'il vous plaît, téléphone. Non, bon, d'accord. Du coup, voilà, un gros lot. Je crois qu'il y a une dizaine de Mickey Parade que j'avais pas. Et il y a un Dragon Ball Z... qui me manquait, le numéro 13 si j'ai pas de bêtises. Ensuite, solde Micromania. Hop, une plaque pour la PS4 aux couleurs du FC Barcelone à, vous voyez, 1,99€ au lieu de 16,99€. Plutôt agréable comme prix. Alors non, je ne la mettrai pas sur la Play. Alors il y en avait un autre aux couleurs de l'OL. J'hésite à le prendre au même prix. Je ne l'ai pas pris. Parce que ben, je suis fan du Barça, hein. Vous devez peut-être le savoir, vous l'avez peut-être vu à l'époque. Mais est-ce que... Non, je le mettrai pas sur la console, je le mettrai pas, c'est juste pour de la déco. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je prends celui de l'OL ou pas? J'ai hésité, je ne l'ai pas pris. Bon. Alors, là, on va passer, je vais me mettre ici, parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses. Mon meilleur ami est un fou. Hein, Olive, si tu vois cette vidéo, tu es un peu malade, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et ça vaut quand même des sous ce que tu m'as donné. Alors oui, c'est un cadeau, je sais que c'est un cadeau pour mon anniversaire, mais pour mon départ et tout, mais bon, ça me gêne un peu. Alors vous allez voir, il y a un gros sac. On va commencer par du... Si elle va bien fermer la boîte, s'il te plaît. Voilà. Du 3DS. Un Mario, un Super Mario 3D Land. Sur DS. Sur 3DS, pardon. Hop, un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est les seuls jeux qui sortent au niveau des Jeux Olympiques. À l'époque, il y avait beaucoup plus de jeux. Là, ils n'en sortent plus. Ils sortent que ça, c'est chiant. Je vous le dis, je le répète. Des vrais jeux, Jeux Olympiques, c'était le top. On a un petit FIFA 14 sur 3DS. Alors après, du 3DS, il y en a encore du 3DS. C'est mes premiers jeux 3DS. Donc, je suis content. Hop, 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 il y a tout ça. On a un, regardez ça, Inazuma Eleven 3 Foudre Céleste. Et oui, mon petit filleul est fan de Inazuma, à un moment donné, il adorait ça. Merci à toi, Maé, aussi, hein, puisque c'est toi et papa. On a Inazuma Eleven 3 Les Ogres Attaquent. Toujours sur 3DS. Un Pokémon Lune, toujours sur 3DS. Un Pokémon X, toujours sur 3DS. Alors, c'est des jeux que je connais pas spécialement Pokémon, hein, mais bon. Et un Yo-Kai Watch, sur toujours 3DS.
Ça fait beaucoup, je trouve, déjà, parce que du 3DS, c'est pas donné. Alors, je te remercie encore, Olivier Maé. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, on a sur PS Vita. Alors, j'en ai rangé. J'ai rangé un jeu, c'est FIFA 14. Si je dis pas de bêtises, je l'ai déjà rangé. Parce que je l'avais déjà. Du coup, je l'ai rangé avec l'autre. Parce que, du coup, celui que j'avais partira en cadeau, etc. Bref, parce que oui, je vais pas garder deux fois le même. Je préfère garder celui de mon meilleur ami que celui que j'avais. C'est normal. Et mon filleul aussi, bien sûr. On a un Smart Ass sur PS Vita. On a un Assassin's Creed Libération sur PS Vita toujours. Hop. Et sur PS Vita, on a Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Battle of Z. Ça, c'est juste génial, la série Dragon Ball. Quelle personne entre 30, allez, entre 25 et 45 ans n'est pas fan de Dragon Ball? Je ne le connais pas. Ensuite, oui, c'est pas fini. Sur Nintendo DS, on a un Inazuma Eleven 2 dans la série. Et celui-là, je l'avais déjà sur PS4. C'est un jeu que j'avais déjà, mais que j'avais déjà en, comment dire, en version téléchargée. Alors, téléchargée, je m'en fous. Je les ai jamais marqués. C'est téléchargé, c'est pas du concret. Donc là, il m'a offert le Trial Fusion sur PS4, qui est un très très bon jeu. Sachez-le, très dur. Très très dur maintenant, j'arrive pas à le passer. On a ensuite, alors, si j'arrive à les choper, parce que il y a beaucoup de choses dans ce sac. Un petit Zelda en un amiibo. Voilà mon premier amiibo, c'est un Zelda. Plutôt content, il est magnifique en plus, il est super joli. Faut que je fasse attention à ça. On a un Peach. Un Peach en amiibo, pareil, Mademoiselle Peach, Princesse Peach de Mario. Après, on a des manettes Wii. Des manettes Wii et un petit chargeur que vous allez voir de quoi. Hop, je continue. Une manette Wii aussi. Hop là, des petits vibreurs Wii. Ça c'est génial. Parce qu'on sait ces trucs qu'on n'a pas tout le temps. Hop. On a un jeu sur Nintendo DS Zelda. Super. Et Olive, je te dis, Olive et Maë, je vous dis, vous êtes des fous. Une Vita. Une PS Vita. Si vous êtes. Si vous faites n'importe quoi, les gars. C'est trop. C'est trop. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Si j'arrive à tout remettre, excusez-moi, vous allez un petit peu vomir pendant deux secondes. Mais c'est normal, puisqu'il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Et qui est, je pense, une pièce maîtresse. Je dis bien une pièce maîtresse de ma future gaming room, puisque c'est juste magnifique. Vous allez voir déjà l'arrière, hop, un cadre. Il m'a fait un cadre, mais pas n'importe quel cadre, déjà il est beau. Regardez. Un cadre avec le jeu Nintendo NES The DuckTales, la bande à Picsou en gros, hein, dans un cadre. Juste magnifique. Bah oui, la bande à Picsou, bah, parce que il sait que je suis fan de Picsou, quoi. Enfin, j'adore Picsou. Et en plus, donc, la bande à Picsou, la bande, les potes, etc. Voilà. Encore merci, Olive. Merci, Maë. Merci à vous. C'est trop. C'est trop, tout simplement, c'est trop. Donc, maintenant, qu'on a fait ça, on va aller directement regarder un petit peu ce qui se passe un peu plus loin, un peu plus dans le déménagement. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait encore une pièce à tout déménager. Super. Je n'en sors pas. Et regardez, on va un petit peu. Hop, j'ouvre le portail. Mais gros, vous restez là. Allez, hop là. Pour vous présenter un petit peu ben, mon ancien chez moi. Et pour vous montrer, je vais mettre là peut-être le déménagement. Voilà. Et c'est pas fini. Puisque. Il y a encore tous mes cartons de consoles, etc., etc. Donc un petit peu, vous voyez. On marche un petit peu ensemble. Ouais, pas mal de choses. Hein. Oh, un frigo. Oh, ah oui, je vais vous présenter. Alors hier, il est tombé l'orage. Du coup, en catastrophe, on a tout mis. Mais regardez, vous entendez un petit peu. Hop. Youpi. Des poules, oui, je sais. Eh oui, je suis un peu à l'extérieur, j'ai un peu de terrain, comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez voir dans quoi les animaux vont
on se baladait dans 3 jours. Hop là, un van, vous allez voir, hop. Ici, coucou les lapins. Ouais, une dizaine de lapins. Là, je vais jusqu'au bout de la propriété. Pourquoi ? Puisqu'il y a deux choses. Une chose que je vais bien galérer à mettre dans le camion vendredi. Parce que... Un, c'est un billard. Hop, un billard. Et une table. Alors, regardez-moi cette table. Elle est juste magnifique. Allez. Regardez-moi l'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais... L'épaisseur un peu de dingue, les pieds, il y a tout. Et voilà, voilà la table. En gros, on est, je crois, si je dis pas de bêtises, 18 autour de cette table. On va montrer un petit peu la vue aussi. Hein. Voilà. Voilà un peu ce que je quitte, puisque on n'en avait jamais vraiment parlé. Donc je quitte tout ça. Oui. Et on va aller voir un petit peu le reste de la colonie qui va partir avec nous dans, je le répète, ceci. Donc on peut voir encore là, je sais pas si on voit, mais ça part de là et ça va très très loin dans le déménagement. Alors oui, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà coupé cette vidéo parce qu'ils en ont absolument rien à foutre, mais c'est pas grave. Ici, hop, je vais vous montrer parce que je l'adore. On a, hop, toi là-bas, regardez-moi. Je vais y arriver, je vous le déballe un petit peu. Un magnifique vieux atelier de comment dire, de menuisier. Voilà, magnifique d'ailleurs. Je vais en profiter pour le découvrir parce que je vous l'ai dit hier, il est tombé le ciel. Mais le ciel, il est tombé. Hop, on va un petit peu mettre à sécher tout ça. Hop. Et voilà. Voilà, super établi de menuisier. Le reste, je le ferai tout à l'heure parce que sinon, ça va être galère. On va juste descendre voir le reste, je vais dire, de mon zoo personnel. Et puisqu'il y en a encore plein, vous allez voir. Hop. Alors. Oui, c'est... Là, ce qui va pas me gêner, ce qui va pas me manquer en tout cas où je vais, c'est que vous voyez ici, c'est plein de planches, c'est relou. C'est très très relou. Alors, bon, je vous les montre de près cette fois. Salut les filles. Vous voyez, ça va? Là-bas, c'est Yeti en blanc. Regardez-moi, la tête de Yeti. Et là devant, c'est Godzilla. Oui, je sais. Je leur donne des noms. C'est comme ça. Donc on a cette poule, il y en a une qui est en train de pondre. Et des bons œufs frais le matin, ça fait plaisir. Ouh, je vois quelque chose qui va vous plaire. Alors, on a... Et oui, ils ont quasiment tous des petits noms. On a Lys et Frisouille. Vous entendez? Écoutez, Lys et Frisouille, c'est quoi? Vous allez voir, c'est rigolo. Je vois encore un portail. Et voilà, deux oies. Alors Lys et Frisouille, pourquoi? Parce que Lys c'est la femelle et hop là, ici, j'y arrive, là, la femelle est une oie normale, en fait. Noix normale, donc les plumes lisses. Et Frisouille, le mâle qui est ici, si on voit un petit peu son derrière, il a en fait les plumes en espèce de tire-bouchon qui reviennent. Alors normalement ça attaque, hein, mais... Ça attaque surtout quand ça a peur. Si vous n'avez pas peur, ça n'attaque pas. Vous venez ou pas? Vous venez dire bonjour? Vous voulez pas dire bonjour? Ouais, c'est leur bonjour en fait. Dites bonjour. Tchuss. Ouais, c'est tranquille. Hein. Ça, c'est les avant-dernières arrivées. Allez, allez. Et comme ça fait les fiers quand on tourne le dos. Attention, je vous ai à l'œil toutes les deux. Tous les deux là. Ouais. Regardez, regardez. Dès qu'on tourne le dos, ça s'excite. Je vais vous présenter les deux plus anciens presque, à peu près. Regardez-moi. On a ici Pitchounette.
Pitounette, pourquoi? Parce que c'est une chèvre naine et que dans le sud, à Nice, pitounette, ça veut dire petite. Donc c'est pitounette, elle est là. Fais câlin? Tu veux un ficalinou? Oh, ouais. Non, tu veux pas? Allez, pardon. Et donc le mouton ici de Ouessant, c'est Mistinguette. Mistinguette, c'est juste en fait, ça veut dire fille. Fille, voilà. Voilà, on fait des câlins. On fait des câlins. On fait des gratouilles. On fait des gratouilles. On fait des gratouilles. Oh, regarde, regarde. Ça, bon, ça kiffe, ça, ça kiffe. Ça kiffe, ça kiffe derrière l'oreille. Ouais, je sais, je suis barbeau. Mais c'est comme ça. Et le dernier arrivant de cette petite ménagerie, c'est un cadeau que les ex, donc les ex collègues de travail de ma compagne lui ont offert. Viens, madame. Regardez-moi ça. Un petit cheval. Alors, c'est pas un poney, c'est un petit cheval. C'est un cheval de petite taille. Me demandez pas, j'y comprends rien. Moi, à part dans une assiette avec un œuf écru, c'est tout ce que je vois. Viens, on dit bonjour. Et je vous présente donc Oxa. Salut mon pote. Salut mon pote. Moi, j'aime bien gratouiller, c'est tout en fait. Après, voilà. Donc, ça, c'était en gros. Non, 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 viens pas là, toi. Et parce que lui, pour l'instant, on le transporte de d'enclos en enclos parce que vu que c'est comme vous pouvez le voir ici, il y a des gros murs et des grosses planches. Ouais, c'est la maison. Ah ben là, vous regardez. Tu t'arrives toi. Ici là, c'est la petite lucarne de ma pièce que vous avez pu voir pendant donc plus d'un an. Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu donc ce que j'ai. Ça, lui, va me manquer aussi à mon petit figuier là. Ouais, moi, ça rien. Allez, pour ceux qui aiment les figues, hop, je sais pas si vous allez les voir, mais ça commence à arriver. Eh ben, je serai parti quand elles seront là. C'est un peu dommage. Donc, en tout cas, voilà, j'ai un petit peu voulu vous montrer l'envers du décor que vous n'avez jamais vu. Certains s'en foutent. On est d'accord. Oh, je parle les deux là. Ouais, je vais vous changer de nom, moi. Je vous appelais foie gras et magret. Méfiez-vous, je vous ai à l'œil. Donc, voilà un petit peu l'envers du décor. Je vais essayer de me mettre. On voit un petit peu une jolie vue quand même. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà. Donc un petit peu l'envers du décor de la vie, tout simplement. Et de ce que je laisse, et je vous ferai un peu le même style de vidéo sur où je vais et ce que je prends, ce que je récupère, la nouvelle vie. Comme ça, vous verrez l'ancienne et la nouvelle. Voilà. Sur ce, je vous dis à tous, amusez-vous bien. N'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu. Vous allez voir plein de vidéos qui seront tournées dans la pièce parce que je ne les ai pas toutes finies de tourner, en tout cas pas toutes finies de monter. D'ailleurs, je sais même pas. C'est sérieux? Non mais. Donc, je disais donc avant d'être interrompu par deux espèces de choses bizarres avec des plumes blanches que je vais bouffer, ça continue. Ouais, attention. Donc. Vous allez sûrement voir des vidéos n'ont pas été, du moins qui sont tournées dans la pièce. Donc je serai déjà parti puisque je pars dans exactement 3 jours. Donc vous n'informez pas, c'est normal, hein, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Je me gratte un peu, désolé. Ce qui fait chaud et ça commence à transpirer, il fait une chaleur. Et d'ailleurs, regardez, juste pour info, hop, c'était pas fait exprès, mais bleu, blanc, rouge. Vive la France, championne du monde. C'est tout ce qui compte. Allez, ciao, n'oubliez pas, venez qu'un jeu, amusez-vous bien, on se voit très très vite. Ou pas. Ciao tout le monde.